Look, I was in the middle of filming when I watched this video and it honestly made me really emotional because it feels like um witnessing what I always preach about what I want to see before, you know, <laughs> meeting the Lord, which is the unity of Africans and this is a clear indication of unity. So, the video I'm talking about is the statement that the transitional governments of Mali and Burkina Faso issued. And watch this clip. Les transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CDAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA tenus le 30 juillet 2023. À Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2 dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso. Et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques a aidé les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort, en tout état de cause. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali invite les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. You know what made me emotional? The fact that Mali and Burkina Faso came together to make this statement because they saw articles or threats thrown at Niger, either by ECOWAS or by Western countries. They went out there and said, If you're trying to attack my brothers and sisters and their country, trust me, we're gonna protect them. Whatever it takes, we're going to be right there with them. How? Beautiful is that to witness honestly. I this made me really emotional, and I love, love, love what they're doing. And hopefully, other countries can join this union and say that we are stronger as one. But unfortunately, even the people right now that are threatening them and putting sanctions on them are. ICOA's leaders and it's unfortunate I know and we'll talk about them and address them in another video, but let's just take a moment to appreciate this three countries coming together for the sake of unity and pan-Africanism. Love to see it.